secrétaire générationnel au conseil départemental de la Gironde. Je tiens déjà à excuser le président Jean-Luc Glaise, hein, qui aurait aimé être là et qui soutient en tout cas complètement votre combat. J'associe aussi mes collègues qui sont là, Nicolas Tarbes, il y a Daniel Barbe, il y a Christelle Guilloni. Donc les élus du territoire sont mobilisés, les élus du conseil départemental sont mobilisés. Déjà moi, je tenais à avoir un mot pour vous, pour les résidents, les familles, les salariés. On sait à quel point cette annonce a été brutale. Je peux vous dire qu'on a été en colère d'apprendre la façon dont cette annonce a eu lieu. Et vraiment, je tiens à vous apporter mon soutien. Après, au-delà de l'angoisse et de la colère, je dois dire qu'une matinée comme ça fait chaud au cœur aussi et est un motif de réjouissance pour nous, parce que j'ai l'impression qu'enfin, un territoire dit stop à ce modèle qui est complètement fou, qui consiste justement à avoir laissé trop de place au secteur privé lucratif dans l'accompagnement des aînés. Et donc ça, je tiens à le dire parce que c'est vraiment important, de même que je trouve fou que l'on ne puisse pas aujourd'hui cartographier et territorialiser davantage l'offre de soins aux aînés sur un territoire. Et c'est le message qu'on est allé porter avec le président Jean-Luc Glaise l'année dernière au Sénat. On est allé le dire suite justement à l'affaire des Fossoyeurs où on a été auditionné. On a dit cela, la nécessité de beaucoup mieux territorialiser l'offre de soins pour les aînés. Donc voilà, sachez en tout cas que le département est à votre côté, on est sur votre combat et on va tout faire. On a prévu justement de recevoir et de convoquer le groupe en question avec l'Agence régionale de santé qui est aussi avec nous et qui vous soutient. Donc voilà, je tiens à vous dire ça et je vous remercie.